Alors, du coup, je suis de retour avec vous pour faire un petit tuto maquillage Halloween, mais qui finalement est plus dans l'état d'esprit que dans la difficulté de réalisation. Donc, je vous ai fait une espèce de schizophrène psychopathe, en fait, et qui c'est très très simple au niveau du make-up. Ok, donc on va commencer tout de suite. Là, je m'attache les cheveux pour laisser du coup la crème hydratante pénétrer dans la peau et du coup aussi être plus à l'aise, plus pratique. Donc je vais utiliser ma crème Embryolisse, donc lait de crème concentré, qui est absolument géniale cette crème. Et c'est important de bien protéger sa peau vu qu'après on va mettre un fond de teint très couvrant. Et alors là c'est parti pour le chignon en fait, du coup pendant que la crème hydratante est aussi en train de pénétrer toujours. Donc là je vous l'ai fait en accéléré parce que je suppose que vous savez déjà le faire. Juste la petite astuce en fait, moi je réchauffe toujours l'élastique transparent. Comme ça, du coup, comme il est chaud, il y a moins de chances qu'il claque, en fait, donc qu'il casse. Comme je vais beaucoup l'étirer pour faire passer dans le bain. Donc voilà, je vous donnais aussi l'astuce. Ensuite, je vais utiliser un fond de teint qui est hyper couvrant. Donc c'est le Dermablend de Vichy en teinte 15 opale. Je crois d'ailleurs que c'est la plus claire, en fait, il me semble. En fait, ce qui est important dans ce fond de teint, bon, déjà, il sent pas bon du tout, mais surtout, il est vraiment très, très couvrant. Et en fait, en plus, la veille, j'ai fait une allergie, donc du coup, j'ai plein de petits boutons rouges sur les joues, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'étais super contente de cacher tout ça. Après, je vais utiliser du coup mon anti-cerne Healthy Mix, que je vais estomper donc au niveau des cernes et aux endroits où j'ai toutes mes petites imperfections. Et on passe au plus difficile en fait, c'est-à-dire le trait d'eyeliner. Donc là j'utilise un pinceau Sephora biseauté, donc c'est le numéro 15, spécial pour eyeliner. Et je vais utiliser en fait l'eyeliner en crème qui est dans ma palette Sephora. Et donc en fait, ce que je vais essayer de faire, donc symétrique de deux côtés si possible, c'est ça vraiment le plus dur, c'est de commencer par tracer un premier trait d'eyeliner vraiment très près du ras de cils supérieur, que je vais du coup continuer un peu en œil de chat. Et ensuite après, je vais faire un trait d'eyeliner en dessous, donc au niveau de la paupière je vais faire du coup... on va recommencer. Du coup voilà, je trace un trait d'eyeliner après en dessous de l'œil. Pareil en fait, mais qui va être parallèle au premier trait et donc ils ne se rejoignent pas en fait. Voilà, donc ça fait un effet un peu danseuse. Maintenant, je vais utiliser un rouge à lèvres ELF que j'ai eu dans ma commande ELF, dont je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos. Donc, c'est le Flirtatious, qui fait partie de la gamme classique, que j'utilise avec un pinceau Sephora spécial pour le rouge à lèvres. Et en fait, je viens prélever un petit peu de matière donc sur mon pinceau et ensuite venir remplir mes lèvres en commençant par dessiner un peu le contour. Et maintenant, j'applique mon blush préféré, donc c'est un blush Guerlain, donc c'est le blush 4 éclats, c'est le rose plein vent, c'est la teinte numéro 5, et en fait, donc vous avez quatre petites couleurs, une qui est vraiment très claire et une très foncée, avec un irisé et un plus mat. Et ce que je fais, c'est que je mélange les trois et je viens tapoter donc sur ma joue, comme c'est assez, ce pinceau est assez dense, c'est un pinceau Sephora aussi. Du coup, je peux venir tapoter pour bien poser en fait la matière. Et ensuite après, je vais venir lisser un petit peu en passant sur la joue. Et c'est le moment de mettre le mascara. Alors moi, j'utilise du coup le télescopique de L'Oréal. Après, si vous avez des faux cils, ce serait vraiment le moment de les appliquer.
Moi, j'en avais acheté des clairs, mais finalement, j'ai essayé, ça rendait pas bien, donc du coup, je vous les ai pas mis. Et hop, voici ma magnifique petite perruque que du coup vous avez pu voir en fait dans le clip. Donc là, c'est une perruque brune que j'ai achetée tout simplement sur eBay US et que je vais essayer de mettre avec mon énorme donut. Et voilà le résultat. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu mes accessoires. Le reste sera sur le blog. Dans la vidéo, vous avez pu voir ce couteau, en fait. C'est une espèce de grand couteau de boucher. Donc, en fait, il est tout simple, entièrement en plastique. Je l'ai payé 3,50 € donc dans une boutique de farci à trappe. Donc, c'est absolument pas dangereux, hein. Ensuite, ce que j'ai également sur moi, c'est une espèce de robe qui, à la base, n'était clairement pas fait pour moi en fait. Alors juste, je vous montre un peu, mais de toute façon dans la vidéo on la voit déjà assez. Et ici au niveau des volants, en fait, vous avez pu remarquer qu'il y a une partie qui est plus courte et derrière c'est plus long, simplement parce que j'ai coupé en fait, parce que je trouvais que c'était pas joli. Il y avait aussi des petits nœuds qui étaient des fleuritures qui étaient un peu partout, donc au final j'ai un peu revu cette robe. Mais du coup, au final, je trouve qu'elle est super sympa pour ce petit déguisement. Et je crois que normalement, c'est tout. Donc du coup, je vous fais gros bisous. Je vous souhaite un joyeux Halloween et je vous dis à plus tard.